Chapitre 10. Discuter. A. Compréhension. Situation 1. Madame, je peux vous demander ce que vous pensez de ce nouveau bar? Vous aimez? J'adore! La décoration est originale. Les serveurs sont très gentils et très efficaces. J'aime beaucoup l'atmosphère. Et les prix? Les prix? Ça va. Je pense qu'ils sont raisonnables. Merci. Pardon, monsieur. Quel est votre avis sur ce bar qui vient d'ouvrir? Bof. C'est trop moderne et trop bruyant pour moi. Je préfère les endroits plus calmes. Situation 2. Alors, cet appartement vous plaît? Vous le prenez? Je le trouve très bien, mais j'hésite encore. Je trouve que le loyer est un peu trop cher. Vous savez, à mon avis, dans ce quartier, c'est difficile de trouver moins cher. Et puis, c'est un bel appartement. Il est clair, les pièces sont grandes et il est en parfait état. C'est vrai, vous avez raison. C'est un appartement agréable. Et j'aime beaucoup l'immeuble. Mais je vais réfléchir. Mais bien sûr, monsieur. Situation 3. T'as vu le dernier film de Clara Favier? Athéna Beauté? J'ai pas du tout aimé. Oh, il est génial ce film! Oh non, j'ai été déçue, c'est mal joué. Oh, je me suis vraiment ennuyée. Tu plaisantes? Muriel Fournol, elle joue vraiment bien. Elle est exceptionnelle. Écoute, je comprends vraiment pas pourquoi tout le monde va voir ce film. Oh, t'es difficile. Situation 4. Oh, vous avez vu ces deux garçons à roller au milieu de la rue? Ils sont complètement fous, hein? T'as raison, moi je pense que c'est vraiment très très dangereux. Moi je suis pas d'accord avec vous. C'est super le roller. C'est pas ça le problème. C'est peut-être super, mais ils risquent leur vie. Mais non, il faut pas exagérer. Ils ont l'habitude. L'habitude... Oui, c'est pas une question d'habitude. Quand un accident arrive... Pas plus qu'avec les vélos, hein. Bon, allez. On parle d'autre chose. Situation 5. T'as passé une bonne journée, Nelly? Oui, et toi? Oui. Dis donc, t'as vu la première page du journal? Non. Je te lis, écoute. Bruxelles propose que tous les pays de l'Union européenne roulent à droite. T'imagines en Angleterre? C'est incroyable. Franchement, je trouve ça stupide. Et même, je pense que ça peut être dangereux. Oui, mais c'est ça l'Europe. C'est comme pour la monnaie, pour l'euro. Ah non, à mon avis, c'est complètement différent. B. Prononciation. Son. Et V. Exercice 16. Entendez-vous ou V? Cochez. 1. Vrai. 2. Facile. 3. Vulgaire. 4. Varié. 5. Fatigant. 6. Confortable. 7. Merveilleux. 8. Magnifique. Exercice 17. Écoutez et lisez à voix haute. 1. Vous avez vu le dernier film de Fabienne Vrin? 2. Il faut vraiment réfléchir. 3. Faire du vélo en ville, c'est difficile.
4. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes fou? 5. À mon avis, c'est très différent. Rythme. La disparition de sons et de mots dans la langue familière. Exercice 18. Cochez ce que vous entendez. 1. T'as vu ce film? 2. J'ai pas du tout aimé. 3. Je ne comprends pas. 4. Ce n'est pas ça le problème. 5. Ils ont raison. 6. Il n'y a rien à dire. Exercice 19. Entendez-vous du français familier ou du français standard? Cochez. 1. T'as lu le journal? 2. Je n'ai pas vu ce film. 3. C'est pas une question d'habitude. 4. Faut pas dire ça. 5. Je ne comprends vraiment pas pourquoi. 6. On ne peut pas parler d'autre chose? Rythme. La rapidité d'élocution et l'expressivité. Exercice 20. Écoutez et lisez à voix haute. 1. Tu as raison, moi je trouve que c'est vraiment dangereux. 2. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. 3. Ce n'est pas ça le problème. 4. Franchement, je trouve ça stupide. 5. Bon, c'est trop moderne et trop bruyant pour moi. 6. Ah non, à mon avis, c'est complètement différent. 7. Moi, je crois que c'est un peu cher. Expression. Exercice 21. Écoutez et lisez à voix haute. 1. Il est génial ce film. 2. Elle joue vraiment bien. 3. C'est super le roller. 4. Je n'ai pas du tout aimé. 5. J'ai été déçu. Exercice 22. Écoutez et lisez à voix haute. 1. Ils sont complètement fous, hein? 2. Je trouve ça stupide. 3. Je crois que ça peut être dangereux. 4. À mon avis, c'est difficile de trouver moins cher. 5. Je trouve qu'elle est exceptionnelle. Exercice 23. Écoutez et lisez à voix haute. 1. Tu as raison. 2. Ah, c'est vrai. 3. Ce n'est pas ça le problème. 4. Je ne suis pas d'accord avec toi. 5. Ah, moi, je ne trouve pas. Exercice 24. Écoutez
et complétez. Lisez ensuite à voix haute. Dis, tu sais que les voitures vont être interdites au centre-ville? Je pense que c'est bien, moi. Et toi? Moi, je trouve ça stupide. Non, à mon avis, il faut essayer. Et les commerçants, ils sont d'accord? Ce n'est pas ça le problème. Si c'est une question de pollution, je crois que c'est difficile de faire autrement. Oui, c'est vrai. Tu as peut-être raison.